Bon, et bah c'est reparti pour un tour. Cette fois, c'est la Select à pornicher 300 000 en solitaire. J'en ai ma guitare, parce qu'il y a un peu de molle qui est prévu. Moi je déteste les départs là, ils se sont tous mis n'importe comment. J'ai viré juste avant de passer la marque et ils ont raflé tout le monde, tout le monde avait franchi avant. Je n'aime pas les départs. Le vent a refusé comme s'il partait pour revenir. On est passé sous Jenaker, cette espèce de voile tendue qui, comme un voile, se dévoile, avance et s'annonce et glisse sur l'océan qui, imperturbable, dessine des lignes tendues vers l'horizon. Et voilà, on approche de l'île Douat. L'île Douat est le passage des sœurs. Ça, c'est Loïc sur Trébunec. À chaque fois on est bord à bord, c'est rigolo. Bon, il est que 17h30, mais j'ai une petite faim, alors je vais faire un petit couscous. C'est un truc italien qui s'appelle Tiberino. Ils font des super trucs et là ils font un petit couscous aux légumes italiens. C'est de la tuerie. Bon, et ben là il se passe un truc, il y a eu un gros coup de pétrole encore une fois. Et du coup, il y a l'île. C'est laquelle? Il y a l'île de Dick qui est juste là, l'île de Watt qui est là. Et du coup, avec Camille, ma pote de Concarneau, on s'est dit qu'on allait couper entre les deux. C'était le plan original de passer par ce passage-là, le passage des sœurs, mais du coup personne ne l'a fait. Et vu que tout le monde est empétolé de l'autre côté, et ben on tente un truc. Alors on fait ça un peu à l'ancienne, on prend notre petite carte. Voilà, en fait là, nous on est par ici, et là on va passer sous la petite balise qui est là, ici, hein. Ensuite on va relofer en évitant le petit 06 là. Donc faut bien qu'on descende un peu, bien être là, et ensuite on peut remonter et passer en dessous. Et voilà, j'ai rattrapé un peu Camille, on est bord à bord avec Tac Tac. On va devoir virer dans pas longtemps parce que là on arrive sur une plage. Ça serait sympa la plage, hein, mais c'est pas là où on veut aller. On est pas mal. Ah, ça pourrait durer toute une vie comme ça, ça me dérangerait pas. C'est magnifique. Ils en racontent des trucs à la VHF, hein. Eh, y a Louride qui est en train de jouer là, et c'est le tranquille. C'est terrible ça. Ouais, voilà, le soleil se couche. Il nous abandonne, il nous laisse seuls sur l'eau. Seuls avec nos rêveries, nos pensées, nos réglages de voile. Nos petits problèmes quotidiens qui au final ne sont pas vraiment des problèmes, hein, puisque on a choisi tous ces trucs là. Le soleil vient de se coucher et comme prévu, quand il y a du vent d'est, ça se renforce. C'est un truc thermique, hein, une différence de chaud et froid. Et là, ça se renforce, là on a déjà 18 nœuds et on arrive au phare des Birbino. Finalement, notre option, c'était pas si dingue que ça, quoi. Je pense qu'on n'a pas trop perdu, mais on n'a pas trop gagné non plus. En train de passer le sud de Belle-Île là et je me suis mis un peu chaud là. J'étais sous grand spi et c'est monté à 26 nœuds et le temps de lâcher le pilote, le truc affalé, bah, c'était un peu rock'n'roll. J'ai fait des bonnes pointes à plus de 12 nœuds, c'était rigolo, mais à un moment je me suis dit quand même peut-être pas le moment de faire des bêtises. Donc du coup après j'ai un peu calmé le jeu et là on est en train de passer Belle-Île là. Et on arrive sur Yeu avec la lune qui se dessine là-bas, c'est joli. Cap de l'homme, c'est juste devant, là on y arrive. Donc là dans l'ordre, moi je vois Top de la Lantette, Pitos, Tanguy Bourrelet qui arrive derrière. Allez Tanguy! Wouhou! Allez go, pile poil! Elle est trop forte cette carrière. I'm getting closer to you.
train de passer la Nook Sud, la Cardinal au Sable d'Olonne. Et la dernière fois que je passais là, à la voile, c'était avec Conrad quand je revenais de ma traversée de l'Atlantique, c'était assez rigolo. Donc voilà, ça me fait un petit... 101, 300, un petit pincement au cœur, hein, voilà. Ça va installer. Et attention la bombe. J'ai dit attention, heureusement que j'ai prévenu. On va pas me dire ouais, t'as pas prévenu. Non, là j'ai prévenu. Là c'est mon nouveau Ski Medium Globe Sailor, je sais pas si ça se voit. Il est tout beau, tout neuf, Ski Medium bleu. Taillé pour naviguer dans de l'air ou un peu serré au vent. Ça marche à 8-9 nœuds dans les pointes. Et voilà, en cette journée importante hein, pour la France, hein, l'élection présidentielle, et ben nous on vote pas, mais on vote par procuration. Enfin moi j'ai fait une procuration en tout cas, parce que je trouve ça important. Pouvoir continuer à avoir des petits moments de liberté comme ça, dans un beau pays, quand même, hein, mine de rien on a de la chance. Pouvoir être là à faire du bateau sous le soleil. Et bien nous voilà devant l'île Dieu. C'est pas mal de fois que je passe devant maintenant et... Mais non mais en fait cela dit c'est comme Belle-Île. Je suis jamais allé. Groix, j'y suis jamais allé. Les Guénans, oui. Mais alors toutes ces îles qu'on n'arrête pas de tourner autour et j'y vais jamais. Ah oui, je disais que la voile c'était un sport compliqué quand même. C'est à la fois gérer un bateau, gérer les éléments, se gérer soi par rapport aux éléments, plus se gérer par rapport au bateau. Ça a l'air simple comme ça, on se dit ouais c'est tranquille, on fait comme ça, mais ça fait à peu près 4 heures que je suis bord à bord avec... Ben derrière, un coup il me passe devant, un coup je repasse devant, il change de voile, je rechange de voile. Ça se joue à rien. Et en fait c'est pas très intéressant moi je trouve la régate. Alors pourquoi je fais de la compète alors? Ça, c'est très bizarre, j'arrive toujours pas à m'expliquer. Parce que si je faisais ça tout seul, ce serait pas pareil. Ce serait pas aussi drôle. Je pense que c'est le fait de partir tous au même moment, au même instant qui fait que c'est bien. Mais bon, parce que sinon on se forcerait pas à le faire ces choses-là. On se dirait pas, tiens, on va se prendre 25 nœuds toute la nuit, se faire rincer la gueule, on l'irait pas. C'est le fait de se dire, tiens, on y va tel jour, et bam. C'est ça qui est marrant, enfin je crois. Et donc là, on est passé du Spi Medium au Code 5. Le joli Code 5, Cap 190. Ceci est un moyen, un concentré de haute technologie. C'est un poste radio, grandes ondes. Oh là. Alors déjà ça tient pas. Alors je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais je vais tester de mettre mon petit pouf à billes à l'extérieur en terrasse pour dormir. On est comment là-dedans? Oh, on est bien là. Oh ouais, on est bien. Oh ouais. La vue c'est ça? Pas dégueu hein. Il y a quelques avions là qui font des petits Paris-New York qui polluent un peu notre ciel, mais sinon il y a cette Bastac qui pend au lieu, ça m'énerve. Voilà, fini la Bastac, fini de jouer. Bon, et ben là il nous reste 41 000 à 5,6, ce qui nous fait une heure là à 23h04 à Belle-Île. Pas eu beaucoup des résultats de course, enfin des résultats d'élection présidentielle en mini. Je suis pas le seul à faire ça ce soir, mais du coup là il est 19h59 dans 15 secondes, j'ai plus beaucoup de batterie. France Info, il est 20h. France Info, édition spéciale. Nous sommes qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 mai prochain. Emmanuel Macron qui obtient selon notre estimation 23,7% des suffrages ce soir devant Marine Le Pen, 21,7% des voix pour la présidence
23-7, 21. Et bah dis donc. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois. Ben voilà, hein. C'est les couchers de soleil quoi. C'est débile, hein, mais. Tout le monde aime les couchers de soleil, Xavier, hein. Faut pas s'en priver, hein, regardez. La petite musique qui va bien. C'est un spectacle tout ça, c'est magnifique. Hein. Allez, pour la dernière nuit en mer, on se fait un petit coup de baume au cœur, un petit coup de tagliatelle en mode basique de chez le Siberino. Ça sent super bon, à mon avis, ça va être du délire. En fait, je crois que ce qui est vraiment dingue en mini et en voile en général, c'est qu'on a accès en fait à une sorte d'ennui qu'on ne trouve pas ailleurs. On a le temps de ne plus se poser de questions. La seule chose qui compte, c'est de savoir si on a le vent avec soi ou contre soi pour la direction où on veut aller. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui compte. C'est super égoïste en fait la voile, mais on est un peu dans une capsule atemporelle où il n'y a plus grand chose qui se passe. Et où le temps est complètement élastique et il n'y a plus aucun repère. Et je crois que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un luxe de pouvoir s'ennuyer. Dans le monde de tous les jours, on peut plus s'ennuyer. Alors que là, on prend le temps de penser à des choses. On prend le temps de regarder les étoiles, les levées de soleil, les couchers de soleil. On prend le temps de se mettre dans le rouge aussi, de se faire un peu mal, de voir qu'on peut aller plus loin. En tout cas, c'est une belle nuit qui s'annonce là. On est en train de glisser vers Belle-Île. Et c'est super joli. Il est 4h du matin et le phare que l'on voit juste devant, c'est le phare de la pointe de Penmen sur l'île de Groix. On arrive sur la marque nord du parcours, on n'a plus qu'à contourner l'île et puis redescendre direction Pornichet. Moi je suis plutôt en forme, hein. J'ai bien dormi hier, j'ai bien dormi cet après-midi, je suis plutôt bien. Il y a une super nuit, vous voyez, on ne peut pas voir les étoiles qu'il y a, mais il y a des étoiles filantes, c'est super beau. C'est vraiment un plaisir d'être en mer. Hein. Il fait à peine froid, il fait pas chaud, mais il fait pas froid non plus quoi. Et on est vraiment pas mal. Et voilà, fin de deuxième nuit, le jour se lève. Et là c'est Quiberon je crois devant, il y a deux bateaux que je suis en train de rattraper. C'est marrant, maintenant je pars deux jours en mer, ça me fait comme si j'allais faire une randonnée ou un truc, ça devient normal. Avant c'était genre un exploit monumental, et maintenant ça devient genre une sorte de route, tu viens d'entraînement un peu. Donc voilà, c'est chouette. Merci à Globe Sailor, à Cap 190, à Solent, à MES Productions et SPV. On va faire une belle transat, moi je le sens bien. De mon petit déj, je suis absolument fan de ces petits biscuits, des cocottes de Saint-Michel, c'est une tuerie, ça passe trop bien, j'adore les cocottes. Petit passage devant l'île aux chevaux, c'est super joli, mais je crois que j'avais déjà dit il y a 2 ans. Je me répète, mais je trouve ça trop beau. On est à nouveau sous Jenac à cause de Timothée qui ne lâche rien. Every night, everywhere we land.
Moi qui dis que j'aime pas la régate, je me retrouve à virer la boue avec Tim derrière. Il me colle. Un offset y revient, Elodie qui merde avec son pilote. On se retrouve en mode match race. Encore une course sous le soleil, c'était cool hein. On a encore pris des couleurs ou quoi. Et bah c'était une super course, même si j'ai eu mon petit mal de mer qui m'a un peu merdé. On a fait des coups stratégiques un peu. On a testé les nouvelles voiles même dans de l'air un peu violent là, quand on se fait rouster. On a bien pris le rythme de dormir tranquillement, de bien s'alimenter, d'être bien en mer. Malgré tout, malgré le petit mal de mer, là j'étais bien quoi. Je me suis fait plaisir, j'étais cool sur mon bateau, j'ai encore appris plein de choses et voilà. C'était top. Merci. Et voilà, encore deux courses d'entraînement et la prochaine c'est la nuit Transat. Ouais.